Salut à tous et à toutes, ici Ranum sur The Seven Deadly Sins, hein, les 7 péchés capitaux d'Anatole Taizen. Là, je montre la collector qui est composée d'une photographie, d'une lithographie et d'une figurine. Et vous n'aurez pas l'intro car j'ai une réclamation de Namco Bandai. J'avais posté la vidéo, mais j'ai dû la retirer. Du coup, j'ai coupé l'intro là et je la remets. Et si vous voulez plus de détails sur l'anime, parce qu'apparemment il commence pas directement comme ça, c'est sûr. Et ben faut regarder l'anime Nanatsu no Tensai, The Seven Deadly Sins ou Les 7 Péchés Capitaux. Je n'ai pas vu qu'il y a des dialogues. Même si, malgré qu'ils sont en japonais, de toute façon, ils sont que en japonais. Et si c'est sur l'anime, je connais l'histoire, donc. Une jeune fille qui souhaite sauver son royaume décide de partir à la recherche des Seven Deadly Sins et des criminels légendaires accusés. Mais on s'y met au combat. Beaucoup d'ennemis sont présents dans les quêtes de combat. Assurez-vous de les éliminer. Dans les quêtes de combat, vous devez vaincre tous les ennemis présents. Parfois, en un temps limité, le nombre d'ennemis est affiché en haut à droite. Les ennemis de grande taille ne subissent que peu de dégâts, mais vous pouvez les faire chanceler en les attaquant en répétition. Vous aurez alors l'occasion de les frapper pour de bon, harcelez-les jusqu'à ce qu'ils cèdent. Quand vous faites équipe avec un allié, vos barres de PV forment une marque commune et vous ne faites qu'un. Vos alliés sont là pour vous aider, mais ce ne sont ni des leurs ni des boucliers. Alors aidez-les aussi quand ils se font attaquer. Et la garde, ressentir la caméra. Mouvement spécial, menu pause, carré attaque faible, triangle attaque forte. Rond tiré, ok. R1 magie, R1 carré, magie 1, R1 triangle, magie 2, R1 rond, magie 3, croix sauter, croix, croix. Recherche rapide, carré, croix super saut, R1 croix mirage, contrôle la caméra, déplacement et pas de côté, ok. Chaque personnage dispose de ses propres attaques mêlées, des attaques faibles, manque de puissance, puissance rapide et peuvent être enchaîné un combo en appuyant continuellement sur la touche. Les attaques fortes sont assez puissantes pour envoyer les attaques voltigées. Chaque personnage dispose de ses propres attaques à distance. Certains personnages tirent de gros projectiles qui peuvent faire reculer les adversaires si l'attaque est assassinée. Ok. Ok. Je suis les muscles de cette opération. Mais oui, bien sûr. Utilisez la magie pour lancer des attaques puissantes. Chaque personnage possède trois types d'attaques magiques. Certaines agissent ainsi comme des bonus. Ah d'accord, la jauge des magies se remplit progressivement. Quand la jauge spéciale est remplie, vous pouvez déclencher un mouvement spécial. C'est le mouvement le plus puissant qu'un personnage peut déclencher. La jauge... Ok, la jauge spéciale se remplit lorsque vous attaquez quelqu'un ou que vous êtes attaqué. D'accord. Ok. Bon. Permet de déplacer rapidement pour être activé sur le sol ou en l'air. Très utile pour approcher. D'accord. Recherche rapide permet d'avancer à grande vitesse pour t'activer au sol ou en l'air. C'est pratique sur la rue. Ouais, mais cela te fout une cible facile. Ok.
Permet de sauter tout le cas normal en utilisant franchir de grands obstacles pour attaquer dans l'ordre. Ok. Rouler instantanément le dos. Rouler instantanément dans le dos d'un adversaire et le frapper sans résistance ou le surprendre de loin. Le surprendre de loin est utile aussi pour pousser vers l'adversaire. Attendez que l'attaque de votre adversaire vous touche, vous mettez en garde sur cet attaque minébo. Vous utilisez le mirage sans consommer de magie. Les pierres simples, les attaques fortes, plus facile d'apparaître. D'accord. Oui, cher. Oui, je sais. Ça, c'est la garde, ok. D'accord. Ah, désolé, je suis allé trop vite. Les cristaux magiques sont des objets qui apparaissent sur carte contre des objets. Les cristaux magiques s'additionnent à la fin de combat et sont convertis en points que vous pouvez utiliser avec des objets magiques. Ok. Les trucs des maisons, des rochers et d'autres grands éléments peuvent créer des pièges magiques qui s'activent quand ils sont attaqués. Chaque couleur possède un effet spécial qui peut être utile en combat. Mais chaque camp peut utiliser des pièges à la fin de la mission. Ah, je me suis dit tout seul. Aïe. Donc la rouge, ça fait une grosse explosion. Ok. Le dragon de la colère. Ah là là. C'est la meuf, c'est pas Mewan Lyodas. Ouais. Bah, elle est pas morte là. Ne t'inquiète, je vais le défoncer. Eh oui. On y va. Je suis prêt par contre. Pour le dessert du jour. En fait, mais là, ce type, c'est pas la clé que nous avons affronté. Ils vont nous aider, Hawk. Peut-être. Demandez l'aide d'un allié pour activer le mode attaque coop. En plus, c'est la jauge d'attaque coop. Attends, en attaquant rapidement ensemble, vous déclenchez une attaque finale super puissante. Encore beaucoup, vous pouvez faire équipe avec un allié pour infliger de lourds dégâts. La relation que vous entretenez vis-à-vis de votre allié modifie ses réactions et les résultats obtenus. Quand vous faites des équipes avec un allié, vos barres de PV forment une barre commune et vous faites qu'un idéal la barre de PV. Oui, ça j'ai déjà vu. Ah,
ses esquives. D'où t'as mis mon truc, hein. Allez, 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 allez. Vim, 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 vim. Ah là, bah, j'ai pas réussi. J'étais presque. Non, bah, accepte, je vais réessayer, je vais réessayer. D'accord, ça donne mon aide. Et voilà. J'ai dit que je savais pas comment je fais, je dis direct. La blague. Je vais juste faire l'attaque. Vas-y, attaque-moi, attaque-moi. Ça prend un peu de temps. Vas-y, attaque-moi, ouais. Bon bah, vous le verrez plus tard, du coup. Et moi aussi, pas la même façon, je le verrai plus tard. Bon, c'est moi un B. D'accord, j'ai compris. Enfin, je vois quelque chose avec les rumeurs, un truc comme ça. Je n'ai pas vu qu'il y ait du dialogue, hein. Même si la façon me semble inutile. Bah oui, tout à fait, tout à fait. Ok. D'accord, ok, 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 ok. Bon, on va commencer direct la quête. Coup de main. Eh, je... Elisabeth. Oh, ok, d'accord. Récompense de quête, coiffure ancienne. Ok, d'accord. Je vais me battre avec Elisabeth. Pourquoi se prendre la tête, hein? La musique en tout cas. Les choses de production de la quête. La quête de recherche diffère des autres quêtes. Vous contrôlez Elisabeth pour charger les ingrédients et coques. Récupérez tous les ingrédients de la quête pour terminer la quête. Les ingrédients et la recherche sont indiqués en haut à droite. Elisabeth ne peut pas se battre donc elle ne peut
soit vaincre des mi-vitellés ou Raylox se combattre. Les objets magiques qu'Isabelle la protège, mais elle se fait trop attaquer. Si elle se fait attaquer trop souvent, elles perdront de leur pouvoir. Et la quête sera un échec, alors prudence. Ouais, je suis désolé, il y a beaucoup de lectures, mais bon, c'est les tutos. Attaque Ocre, vraiment, c'est tout. Ok. Ici. Ok, donc c'est rond pour les ramasser. Oh, j'ai une épée. J'ai pas vu celui-là. Enfin, j'aurais pas vu si j'ai pas son caméra. Encore deux là-bas. Ah, de même trois là-bas. Il ne restera plus qu'un après cela. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis du coup avec elle, mais je sais pas. Je sais pas, on verra dans le futur qu'est-ce que ça donnera sur leur deux quêtes. Si je les montre ou pas, tu vois si elles sont. J'ai dit sur ça dans le double dernier. Too easy! Yes. Bah S, bah si j'ai pas S avec ce truc là, par contre y'a pas de combat en plus. Ah, un village de Vanir. Désolé, j'ai passé, j'ai même pas lu moi-même alors. Le magique. Attends, ça c'est pas dans la ligne ça. Magico item. Tu sens qu'il y aura un peu de crafting et ce genre de choses. Donc un peu de phare en marche. Hi. Ok, le menu écrit magique est débloqué, le menu écrit pas est débloqué. Le bord hop maintenant voyager. Ah! Créer des magiques, c'est quoi ça? Sort 4 feuilles, fait 10% avec la hoc. Un grain nécessaire, petit reste au placement, est du jeune venir. Ah, d'accord. 130 de muscles sur 6, ok. Alors, en gros, je ne peux faire que celui-là vu qu'il est vert. Non, là, là, mais non, pas là, là, voilà. Voilà, équipement. Bon, je dois en avoir un équipement. Ok. Je ne sais pas c'est quoi tout ce bordel, mais bon. On va voyager. À propos des rumeurs, afin d'entendre de nouvelles rumeurs sur Sèvres de Lycine et les Chevaliers Sacrés, les Sèvres de Lycine doivent faire parler d'eux. Réaliser toutes sortes d'actions hors du commun pendant les combats augmentera la jauge d'attrait en bas à droite de l'écran. Plus vos combats seront impressionnants, plus vous obtiendrez des points de rumeur. D'accord. Objectif de l'aventure. Meliodas et Elisabeth se voyagent à la recherche du groupe de guerriers légendaires, les Seven Edicine. Pour briser les ambitions des chevaliers sacrés qui se sont révoltés contre le royaume de Léon, l'objectif le plus simple est de récupérer des infos sur Seven Edicine et de récolter des rumeurs à propos des déplacements des chevaliers sacrés. En soirée, plusieurs héros viennent au bord haute. Leurs conversations informelles peuvent parfois contenir des informations utiles. Ah, c'est ça le 9000, le chiffre qu'il y a en bas à droite, d'accord. Quête principale, quête secondaire. Les quêtes apparaissent dans les villages ou des forts. Elles sont fortement connectées aux aventures de nos héros et font progresser l'histoire. Une fois une quête apparue, vous pouvez retourner à son placement à tout moment pour rejouer la quête. Désolé. L'apparition de ces quêtes est fortement liée aux rumeurs, devenir l'objet d'une rumeur sur l'homme ou toutes sortes de nouvelles rumeurs. Quête de terrain. Elles apparaissent périodiquement à mesure que vous complétez des quêtes. Toucher une quête apparue vous permet de la mener et de la mener. Il y a trois types de quêtes, combat, excursion de l'Elisabeth et épreuve. Elle ne faut pas progresser l'histoire. Classe de quête, terminer une quête, SACM, ok. Ça par contre, on va lire. Créer objet magique, bah ça j'ai déjà fait. Les objets magiques vous donnent des compétences spéciales, utiles dans vos aventures et vous laissent améliorer les personnages qui sont à votre disposition.
Les objets magiques peuvent être créés en ordre depuis le point central, rassembler les ingrédients et cristaux magiques pour fabriquer. Créer un objet magique débloque la fabrication des objets adjacents. Les ingrédients s'obtiennent dans les quêtes secondaires et de terrain. Vérifiez les ingrédients qui sont disponibles dans chaque quête depuis le grand menu. Les cristaux magiques apparaissent généralement quand vous posez des objets du décor en combat. Ils sont récupérés automatiquement et sont comptés dans l'écran des résultats. Parfois, ils apparaissent aussi autour du bord hâte. Type objet magique. Les objets magiques qui comptent le PV du personnage appliqués automatiquement dès leur création. Ces objets magiques ne sont valides qu'en mode aventure. Ok. Les objets magiques qui améliorent les capacités du combat lorsqu'ils sont équipés. Ces objets magiques peuvent aussi être utilisés dans le mode duel. Les objets magiques qui aident à voyager autour de Britannia. Ok, ces objets magiques sont utilisés comme mode aventure. Bon, encore. Terminer les quêtes augmenter le niveau de rumeur. Désolé. Terminer les quêtes disponibles pour augmenter le niveau de rumeur de la zone dans laquelle vous êtes. Cela cause l'apparition de rumeurs en rapport avec la nouvelle quête. Deux nouvelles quêtes. Combat, rumeur et création d'objets magiques, répéter ces trois activités est essentiel pour progresser dans l'aventure. Si vous avez des difficultés à terminer certaines quêtes ou obtenir de bonnes notes, équipez des objets magiques différents à réessayer. Certaines quêtes secondaires et de terrain apparaissent quand vous progressez dans les quêtes principales. Utilisez la mini-carte en bas à droite de l'écran pour agir à la prochaine destination. Terminer les quêtes secondaires de terrain vous octroie des ingrédients du pour fabriquer des objets magiques qui ont complété de nombreuses quêtes pour améliorer votre équipe. Ok. 2, 3. Ok. Ah, le roi des restes. Bon, ben c'est ici que nous laisser pour cette première vidéo sur Nanatsu no Taizai du jeu vidéo King of a Knight of Britannia. Je vous dis au revoir, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve à la prochaine, au revoir à tous et à toutes, malgré ce que j'ai déjà dit.